Voilà, voilà. Je continue à montrer. La bibliothèque du citoyen Olivier Dollfuss, la mondialisation. Alors, il y a les altermondialistes, les antimondialistes, les mondialistes. On ne sait pas trop, bon, enfin bref. Ça, c'était au programme de géographie de deuxième année de fac. Troisième année, je ne sais plus. Et si vous avez Philippe Geneta Soulac, donc ça c'est dans les choix du comité de lecture de François Zir, voilà. Jean Daillon, un roman historique. Montségur 1201, Rome 1202, Rouen 1203, c'est un roman historique. Sur les Cathares et la suite. La petite peste et le chaboté, encore Juliette Benzoni, encore un roman historique. Alors, je voulais ajouter à cette vidéo qui a déjà été dite depuis un certain moment qu'il y a aussi les survivalistes, les néo-survivalistes, il y a leurs opposants qui sont les minimalistes. Alors les minimalistes, c'est le contraire des survivalistes, les survivalistes, ils accumulent beaucoup. Et moi, je suis survivaliste en livre, vous voyez, et les minimalistes, eux, c'est le contraire, ils ont presque rien chez eux. Alors ensuite, donc, il y a les survivalistes, les minimalistes, les néo-survivalistes, et il y en a encore des autres, et des autres, et des autres, et des autres. Et ça, je ne sais plus exactement parce que j'ai encore trouvé deux ou trois autres noms en liste qui sont des tendances actuelles. Mais je m'en souviens plus. Voilà.